le maître mot, c'est la maturité. J'ai vu plus un cadre. Je suis arrivé, j'étais un peu comme Quentin. Yanis. Quentin. Bien curious. C'est parti. Quentin, on est au plus jeune. Ce voyage. Vraiment, je l'aime bien. C'est un des meilleurs voyages de ma vie. Après, j'ai pas beaucoup voyagé. Et là, tous les jours, je rigole et tout. Avec eux, il est bien. Moi, personnellement, le voyage, je le sens bien. C'est mon deuxième voyage cette année, cette saison. J'ai fait Luxembourg, ça s'est bien passé. Là, je fais l'Espagne avec les frérots. Ça se passe bien, sans une victoire. Le groupe vit bien. Ce qu'on est maintenant, ça fait deux ans pour la plupart. Il y a les nouveaux comme Quentin, ils sont bien acclimatés dans le groupe. Et ouais, ça se passe bien, franchement, nickel. Trois mots, c'est peu, hein. Et pour décrire le groupe, festif, parce qu'il y a de la joie tous les jours, on se réveille, ça rigole. Communauté, je pense aussi, on peut le mettre, parce qu'il y a de tout, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, on s'entend bien entre l'Aïd, le dimanche et l'église. Et troisième mot, je pense, sans prise de tête en vrai. Hein. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Les jeunes comme Quentin, ils parlent avec les plus anciens. Ouais, c'est ça, hein, sans prise de tête. Ouais, je me sens bien. Ici, je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli. C'est comme des grands frères, ils m'aident, tout ça, ils me parlent. En vrai, je me sens vraiment très bien. Nous, personnellement, on était en bus. 18 heures de route. Ouais, c'est hardcore. C'était fatigant. C'était un peu chaud, après il y en a, ils ont pris l'avion, mais ouais, la majorité on a pris le bus, hein, 18h, c'était un peu chaud, mais... Comme on était tous ensemble. Ouais, ça ouais, va. C'était bien. Ça va passer le temps. On a rigolé tout ça. Des choses à améliorer ? Point d'amélioration, je pense peut-être... Point d'amélioration, en vrai, je pense qu'on a beaucoup de... Il y a beaucoup de points positifs en vrai. Peut-être les points améliorés, c'est côté, on va dire, un peu invisible, le staff, c'est-à-dire les ballons, les chaises, tout ça. Sinon, en vrai, le voyage en lui-même, il est parfait. Perso, moi, sans pression, à l'aise. Comme je dis, moi, ça fait longtemps un peu que je suis là, je connais l'équipe, ça tourne bien. Toujours un peu de concentration, mais sans pression, à l'aise. Moi, normal aussi, hein. Sans stress. Donc ça, c'était avant. Maintenant, le premier match, il est passé. On a gagné. Après, ça va suivre. Non, en vrai, ça va. Ça va, on s'entraîne toute la semaine. En vrai, à ce stade de la saison, on est grave prêt physiquement. On a fait une préparation. Là, on a presque 6 mois de match. En vrai, je pense que... Ça va, après la récupération elle va beaucoup jouer, mais en vrai je pense qu'on est prêt. Hein. Physiquement on est bien, on a couru là pendant la semaine quand on avait du temps. Après c'est juste le temps entre le premier match et le dernier entraînement, pendant 4 jours on n'a pas joué. C'est juste ça qu'a joué, mais après sinon on est bien. Cette saison personnellement, ouais. Personnellement, je pense à la maturité. Hein. Je pense que le maître mot, c'est la maturité. J'ai pris en maturité. Je pense que maintenant, on va dire que je suis devenu plus un cadre. Je suis arrivé, j'étais un peu comme Quentin, plus jeune. J'étais, on va dire, dans la masse. Cette saison, on va dire, c'est la confirmation. J'ai des responsabilités et moi, en vrai, ça me plaît. Ça veut dire, je pense, maturité, prise de responsabilité. Et voilà. Après, ça a fait que je suis plus impliqué cette saison. Changement. Hein. L'année dernière, on avait 2 entraînements par semaine. Là, j'en ai 4. L'année dernière, c'était quoi? C'était le foot, c'était juste l'entraînement, les matchs. Alors que là, c'est plus, là, on fait des voyages, là. On est tous comme des frères, on se parle même en dehors du foot et tout. L'année dernière, il n'y avait pas ça. Je préfère ici qu'avant. En vrai, c'est plus l'aspect famille aussi pour Quentin, parce qu'il découvre ça. Je pense que c'est ça, hein, l'aspect famille qu'il n'y avait pas hier. Quentin, moi, je pense que ça. Régularité, hein. C'est pas un mec qui va trop parler, trop, on va dire, s'exprimer, mais sur le terrain il fait le taf. Hein.
Sur le terrain, c'est triple de mauvais matchs. Entraînement, c'est solide. Parle peu, mais il travaille bien. C'est ça que j'aime bien chez lui. Et qu'est-ce qui compte faire pour être le joueur que tu penses qu'il doit être? L'amélioration, en vrai, on en parle, hein, ça. On en parle beaucoup, nous deux. Je pense au niveau des relances, moins stressé, je pense, avec le ballon en tant que défenseur, parce que maintenant, on voit que les défenseurs modernes, il y a beaucoup de relances, balle au pied. C'est-à-dire ça, je pense que s'il améliore ça, les relances, les petites orientations du corps, ça peut le faire. Politiquement parlant ou non, de tout. De tout. Anis, j'aime bien ce mon gars, il est marrant, tout le temps. Dès que je suis arrivé ici, c'est lui et tout, il a fait comme un grand frère, il m'aime bien et tout. Il m'en dehors et tout, il paye des trucs. Amélioré ? Il fait trop de bêtises. Non, ça c'est faux ça. Il fait trop de bêtises. Ça c'était l'année dernière. On s'est calmé, notre maturité. Bon, faut pas l'écouter, c'est l'année dernière ça. C'était Yannis et Quentin. Pour le blues, I'm curious. Merci.